Sportive mais homogène, voilà qui caractérise parfaitement la Clio 16 soupapes. Fini l'époque des petites nerveuses, souvent délicates à exploiter. Chez Renault, on a tiré les leçons du passé et de la 5 GT Turbo. On a délaissé la suralimentation pour un multi-soupape plus agréable à l'usage. L'époque des GTI au tempérament exclusif est bien révolue. Spoiler, becquet, aile élargie, assiette rabaissée, rien ne manque à la panoplie de la petite sportive, ce qui n'empêche pas la Clio de rester très discrète en l'absence de bandes latérales de couleur pas toujours de bon goût. Le moteur, déjà connu, celui de la 1916S, 1 litre 7, 140 chevaux, 20 de mieux que l'ancienne GT Turbo, et de belles performances, 204 km/h et 8 secondes de 0 à 100. Sobriété aussi dans l'habitacle, vitres électriques mais aussi rétroviseur électrique en pack GT et quelques options intéressantes comme la direction assistée, l'alarme ou l'autoradio et sa commande sous le volant. Sur la piste est largement positif, très bien équilibré, la 16S procure de belles sensations, mais surtout son comportement sain permet aux conducteurs peu expérimentés de se faire plaisir sans risque exagéré. Côté moteur, pas de réaction brutale, un peu trop bruyant à haut régime, son caractère assez linéaire représente un bon compromis entre une utilisation sportive et quotidienne. Son prix 101 600 francs reste dans la moyenne de ses concurrentes directes.